Ça, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Surat Iqra, Bismi Rabbika, Ladi Khalaq al-Isa min alaq. Khalaq al-Isa min alaq, c'est l'éducation sexuelle. Pourquoi on ne l'explique pas aux enfants? C'est la religion qui le dit. Alors qu'ils ne viennent pas nous raconter des histoires. Aller dans les mosquées nous envoyer au paradis, en enfer. Personne n'est revenu de l'au-delà pour nous dire comment est l'enfer et comment est le paradis. Moi je crois, et Dieu est amour, et nous pardonnera. En tous les cas, nous on ne fait pas de mal. Voilà. Et je crois très fort. Bonsoir, je suis ravi de m'exprimer face à votre caméra pour parler de la communauté marocaine qui se réunit aujourd'hui, ce soir, dans un cadre prestigieux avec l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne et en même temps auprès de l'ambassadeur de Belgique et avec Madame Lella Aïcha Chenna sur différentes thématiques. Et c'est un plaisir de voir un tel rassemblement des Marocains de diverses couches sociales, aussi bien intellectuelles que d'ordre, on va dire, culturel et autres. Et ce rassemblement permet de parler de différentes problématiques émanant de la communauté marocaine, que ce soit ou en Belgique ou au Maroc. Et ces rencontres permettent de travailler en commun pour essayer d'aller de l'avant, d'essayer de réussir, que ce soit d'ordre culturel, médical, d'ordre politique ou d'ordre associatif. Et voilà, et donc je suis ravi de participer, moi en tant que comédien, de venir à la rencontre de tous les autres Marocains de Belgique. Et ça m'inspire aussi plein de choses, et notamment d'avoir entendu Madame Chenna sur la problématique des femmes, des enfants et de la difficulté des enfants abandonnés. Ça me donne, moi, l'envie, moi je ne suis pas scénariste, mais ça me donne l'envie de travailler avec des scénaristes qui pourraient travailler sur cette thématique. Voilà, je suis ravi d'avoir fait cette interview et au plaisir. Plusieurs fois à Bruxelles, on l'a mis dans des conférences, dans des soirées caritatives, on essaie de sensibiliser, là on revient, en fait on est essoufflé. Parce que vous devez savoir qu'avant cet événement, on avait un gros événement au Parlement européen. Madame Chenna a été reçue par Madame l'eurodéputée Maria Reynard, qu'on peut applaudir. Hein. J'ai pas demandé. Madame Arena, excusez-moi, hein. J'ai pas demandé pour vous applaudir, mais voilà quoi. Allez encore, un tonnerre d'applaudissements. Levez-vous. Cet événement, c'est aussi grâce à vous. Madame Arena. Voilà, et je remercie toute l'équipe, hein, Daniel, Véronique, qui m'ont supporté. On remercie Hadja Labib qui a dû partir, mais qui a modéré le débat d'une main de maître. Donc merci Hadja, si tu nous entends via les caméras là. Hadja, on t'embrasse, hein, et rendez-vous au journal télévisé de la RTB. À très bientôt. Voilà, salam alaikum, donc Abdelkader Mokhtar, en votre compagnie. Voilà, je tiens à féliciter d'abord Ismaël Al-Mourabit par rapport à l'initiative de cette soirée qui est super bien réussie. Ensuite, on est très heureux d'avoir participé à la soirée qui était à l'honneur de Madame Aïcha Chenna, qui a fait un très beau discours au Parlement européen et qui a poursuivi son discours ici. Voilà, je félicite aussi Redouane par rapport à l'organisation de la soirée au nom de Maïssa Event. Et pour ma part, bon, je suis très heureux d'être parmi vous. Par la même occasion, je voudrais inviter tous les gens qui sont libres ce vendredi 2 décembre à la salle Beau de l'eau à Boxtal. C'est à l'occasion d'une soirée caritative durant laquelle on va essayer de récolter des fonds. Et c'est pour envoyer en fait un conteneur avec du matériel médical, des articles scolaires et des couvertures qui iront dans le Haut Atlas, Inch'Allah, du moins Haut Atlas entre autres, Inch'Allah.
Voilà, au plaisir de vous revoir. Une bonne fin de soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. J'arrive de Paris pour assister à cette conférence en présence d'Aïcha Chouna et la députée Marie, européenne bien sûr, qui nous a permis de rencontrer cette grande personne. Je rêve depuis des années de la rencontrer. Elle fait un grand, grand travail en faveur des enfants et surtout pour les femmes célibataires. Merci Aïcha et merci de m'avoir permis d'être là.